stories that we say. Someone's waiting to be. Morgiane s'est fait une place de choix dans N'oubliez pas les paroles et continue de prouver que ses 3 ans et demi de révision et ses 900 chansons apprises n'ont pas servi à rien. L'assistante dentaire était de retour hier soir, mardi 19 décembre, sur le plateau de France 2 pour tenter de maintenir son titre de maestro. L'assistante dentaire était de retour hier soir, mardi 19 décembre, sur le plateau de France 2 pour tenter de maintenir son titre de maestro. En seconde partie d'émission, c'est face à une certaine Mélissa, venue accompagnée de son fils Mathieu, que Morgiane a remporté sa 27e victoire. Elle avait débuté ce numéro avec 159 000 euros et il ne lui manquait plus que 3 000 euros pour entrer dans le classement des meilleurs maestros. Le rêve est-il devenu réalité? À lire également N'oubliez pas les paroles, France 2, les internautes agacés par une épreuve du jeu Je suis trop contente de me dire que je vais revenir. Mélissa n'est hélas pas parvenue à gagner de points face à Morgiane qui a excellé dans l'émission. C'est au moment de la même chanson que les chances de la challenger de rattraper la championne se sont envolées. Sur Gabi au Gabi d'Alain Bashung, la maestro a remporté une nouvelle clochette, synonyme d'élimination donc pour sa concurrente. C'est ravi que les téléspectateurs ont commenté la publication de Nagui concernant cette nouvelle étape franchie par la jeune femme. C'est top, continuez comme cela, vous le méritez. Grand plaisir à vous retrouver tous les soirs, bravo pour votre force tranquille, bravo Morgiane, tu peux encore monter, je pense qu'il y en a encore sous le coude, pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires. Elle sera donc de retour ce mercredi 20 décembre, dès 18h40. Dans N'oubliez pas les paroles pour tenter de monter un peu plus haut dans le classement des plus grands champions du jeu musical de France 2. Voir cette publication sur Instagram, une publication partagée par N'oubliez pas les paroles. @noplepop.